Salut à tous et à toutes, c'est Panix, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous retrouver pour mon troisième commentary. Alors on est en mêlée générale sur la map bootleg, avec toujours le MSR, concentration, tour de passe-passe, bonne gâchette et visée solide, le tout en pro. Je n'ai pas vraiment choisi de kit, j'ai encore la Betty et les paralysantes aussi. 5-7, chargeur grande capacité. Mais Killstreak, c'est toujours la même chose aussi. J'ai drone et veste balistique. Alors, avant de commencer, le sujet important, pour ceux qui m'ont ajouté sur PS3 et que j'ai accepté, s'il vous plaît, m'envoyez pas des invitations de groupe tout le temps. Je ne peux pas jouer tout le temps avec mes abonnés car je dois vous fournir des gameplays. Je dois absolument faire des mêlées générales parce que je vous ai promis des tutoriels. Et un peu comment agir sur différentes maps. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas. Je vous inviterai, ne vous inquiétez pas. Si j'ai envie de jouer avec vous, je vais vous inviter. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont répondu présent à l'open lobby complètement improviste d'hier soir. C'était marrant. Je vais peut-être faire une vidéo, mais je sais pas si je vais garder pour plus tard, la ressortir dans un moment pour faire un petit peu nostalgie. Et puis voilà. Donc vous avez remarqué aussi que j'ai une intro. C'est Live SNP qui me l'a faite. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Ainsi que mon background qui a été fait par Nizo. Je mets aussi son lien dans la description. Je vous remercie tous les deux. Ils sont vraiment cool. Donc revenons-en au gameplay. Alors vous l'avez compris, je tourne autour de cette allée. Puis je me pose un peu ici pour mettre les killstreaks, les vestes balistiques, etc. Vous pouvez remarquer donc ça sert à rien de courir partout dans la map. Car tout le monde vient sur moi et ça me permet de faire rapidement des kills. Donc forcément je ne campe pas non plus, je fais une zone. Après certains vont appeler ça quand même de la camp, mais c'est pas grave. De toute façon ça me dérange pas. Mais donc vous remarquez que je garde cette entrée déjà. Et puis sur voilà cette entrée là, je surveille aussi cet endroit. Et puis de l'autre côté à gauche, comme ça je peux permettre de surveiller les trois entrées. Et je me mets au milieu dans l'espèce de petit magasin où j'ai mes vestes balistiques pour justement avoir un peu un point de vue sur ces trois points. Trois entrées. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment jouer au sniper, comment devenir bon au sniper. Alors je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup d'entraînement. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller en match privé avec des amis et enchaîner les parties. C'est ça qui va vous faire la main. Ensuite, pour la sensibilité, je vous conseille de passer au moins à 8, voire 7 minimum. Mais bon, 9, c'est vraiment une sensibilité parfaite. Pour vous faire la main, c'est hyper bien. Moi j'utilise 10, ça me permet d'être beaucoup plus réactif et puis précis. Mais justement avec la 9, vous pouvez être plus précis de loin. Peut-être un petit peu moins de près, mais vous êtes quand même plus précis de loin, ça peut être un certain avantage. Par contre, si vous jouez avec la 10, quand vous avez un ennemi justement de loin, il faut être délicat sur le joystick. Donc il faut être délicat et calculer, essayer de calculer l'ennemi. Où est-ce qu'il est, sa position, et puis voilà. Donc là on est bientôt à la fin. J'entends la musique en tout cas. Je tenais juste à parler un peu de ma team, car certaines personnes ne l'ont pas compris. Oui, je suis dans une team, la team Cubes. Alors nous sommes 4 membres actifs, y compris moi. Donc nous sommes en quête de joueurs, et si vous êtes intéressé, envoyez un message à CuteKamz, K-A-M-Z, sur le PSN, et je mettrai sa chaîne dans la description aussi. Vous pouvez lui envoyer un message privé sur YouTube. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas accepté, prenez le bien, on recherche du haut niveau et au sniper. Si possible, quelqu'un qui filme ou qui utilise le mode studio obligatoirement, dans le cas contraire. Donc voilà. Ah oui, je tenais aussi vite à faire un petit coup de pub parce que c'est quelqu'un qui le mérite. C'est pas à voir avec Call of Duty non plus, mais c'est un jeune rappeur suisse qui vient de commencer. Il a fait une musique que j'ai trouvé hyper cool.
puis je lui dis que je ferai de la pub. Donc je mettrai le lien de sa musique dans la description aussi si vous voulez passer voir, mais vous n'êtes pas obligé. Ah oui, comme je remarque, aussi n'hésitez pas à faire des hardscopes, c'est vraiment important. Les bons joueurs savent que les hardscopes c'est important, que vaut mieux assurer son coup que rater une fuite ou mourir dans une série bêtement. Ah bref. Alors moi je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée ou n'importe quoi encore. Allez, ciao ciao!